dans une famille. Donc, chaque jour, les montagnes aujourd'hui te disent que jusqu'à Adora, c'est pour nous. Ça, c'est grave. C'est très grave. Alors, je pense que pour donner la voix ou indiquer la voix à ceux aux autorités, il faut que le problème soit maîtrisé de manière spécifique. Et scientifique même. Parce qu'il y a trois types de pêche, ou même quatre à cela. Il y en a qui ont les sept tournantes, qui fait à peu près plus de 200 pirogues. Sur les 200 pirogues, sur chaque pirogue, il faut 28 personnes pour aller en mer. Il y a ce qu'on appelle les galutalas, c'est-à-dire c'est des pirogues qui ont 3 ou 4 personnes qui sont là-dedans et qui pêchent ce qu'on appelle, le produit qu'on appelle tala. Vous savez, au Japon et en Corée, le poisson est très prisé là-bas. Alors, ils ont un type de poisson qu'ils pêchent chaque année avec des quotas de 500-800 tonnes. Maintenant, c'est régulé. En même temps, je viens de recevoir aujourd'hui un document où on me dit qu'avec l'Union européenne, l'État commence à renégocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le peu qu'il nous reste. Si les négociations aboutissent, il y aura des bateaux étrangers qui vont venir encore piller nos ressources. Je pense que pour ce faire, il faudrait que une solution radicale soit trouvée, arrêter les bateaux étrangers qui viennent piller nos ressources, mais ensuite mettre en place un programme de recrutement. C'est dommage que dans le PSE, on n'a pas entendu parler quand même d'un programme de pêche où on prend en compte tous ces aspects-là. Parce que non seulement il faut la moderniser, non seulement il faut réduire le coût du matériel, mais il faut les accompagner jusqu'à ce qu'il y ait quand même des récifs artificiels, mettre des AMP, là, des zones où il faut interdire la pêche et permettre à une reproduction facile aux pêcheurs. Donc, lors là, introduire à président Diop, journaliste, parce que certainement, il y a des questions qui nous posent par rapport à des choses. On a les médias, on a les médias. Il faut protéger, parce qu'il y a un accord à créer, un accord à créer, un respect. Nous avons dit, vous faites que nous avons toujours dit ma licence, mal tourné, problème de figure. Donc, amna ci digal mbal tourné mat nañu ñaar témer waye amna lu mat 1000 pirogues ño xamni jooni gal yo xamni dañuy nap talar ñepp xam talar rôle bi mu am légui ci économie bi ñu wax ni Chine ak Corée ak Japon dafa am jeun buñ daan dundé diga nap seeni geet ñom jeun bobu dem ba nap gi ëpp ñu ni dañuy contingenté. C'est une idée. Il faut un bon tonnage. Vous donnez 500 000 tonnes par an. Les 100 ou 150 000 tonnes, vous faites la paix. Vous avez dit que vous produit bon, vous avez remplacé. Produit bon, vous avez dit que 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 nous importons 800 000 tonnes de riz, ça fait presque 150 milliards par an. Ce fait qu'encourager les pêches, pour développer comme une exportation pour tout le monde, les enfants qui ont été traités comme des prisonniers, respecter les droits de l'homme. Mais si on a été traités, ils ont été traités dans le gal, ils ont été traités dans le gal, ils ont été traités dans ay bokkom bu seen xol metté mo ñu jox def lo xamni du non tout ñu jox leen mettre leen dans des conditions yu ñu mëna xey ak di wacc lolu defé na lu neex la duggal la wata déclaration ministre bi namu ko defé du non waron na mën jël problème bi à bras le corps wo xalé yi wala li xew dem ba jaron na mom fu mënti nek lu mu japp mu bayiko ñew dal tok ak wéñ bo xam non parce que ñoo xalé yi ñen di fay suñu alal la. Signature du sort de New York, nous avons un délégué sur le pouvoir par voie électorale. Quand vous avez un acteur, vous avez un fils de la vie, vous avez un fils de la vie. Sénégal, vous avez dit que 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 vous
narbu amé jël Burkina yépp narbu amé jël Côte d'Ivoire yépp té xamna ni rôle bi best ci jouer ci économie Sénégal autorité yi dañ ko maîtriser totalement waye buñ ko maîtriser won waxna ci ben émission daw né lañu amna ñu 240 milliards ci exportation 240 milliards yoy boko amé ci exportation boko gëné encadrer mën nga dem ba am 500 milliards mais Sénégal dafa atteindre 500 milliards d'exportation ci produit gué ndax ma liré mo am pétrole bobu réew mo am pétrole ben ndax li ngeen xamul ci exportation yi division yi nga tay am état mën nako soxlo duko am mu lepp la ko wala mu jox la ko nga tégal ko ci intérêt et cetera bobu ci les économistes xam nañu flux bobu nu muy déwé ak côté bobu ban jëriñ la ci Sénégal mëna nga ñëw légui ci passé yapp fu mu am meuf mu am ñu ngi importer 40 milliards de lait alors que yenn saay ci bir nawet di nga dem ci yenn zone dañuy rat sen meuf pour ko parce que amuñu yoon wuñ ko jaar bu commercialiste alors là j'en viens ci li nga xamni mom lañuy wax le programme électrification parce que jël nañ ko dans le PCF wax nañ ko électricité dañ ko xé wañé mais lolu dafa warñu suñu dépendance ci électricité bo xamni ci pétrole bi manam fuel bi lañ koy utiliser ay machinam de plus en plus lañ ko war wañ